qu'on voit souvent sur cette épreuve également. Marocaine qui du coup en demi-finale a éliminé la Chilienne, tapé son but pour ne pas perdre et la Chilienne l'a manqué. Et du coup, comme on vient de dire, la Turque qui a éliminé la Croate. Alors la finale du Rolémi, c'était tout à l'heure, c'était à 16h. Donc si vous n'étiez pas devant, vous l'avez manqué. Ça dépend quel relais, mais oui, le relais mixte, on vient de le faire juste avant ça. Et la finale du relais féminin, c'était... Encore plus tôt. C'était plus tôt, oui, c'est ça. En fin de matinée. Allez, donc la double championne en titre, championne d'Europe et championne du monde, Buket Öztürk, pour le tir de précision opposé à Fatia Targaoui, la Marocaine. Allez, on rappelle pour les personnes qui ne connaissent pas vraiment cette épreuve, le tir de précision, tir compliqué mentalement, enfin, beaucoup, où il faut beaucoup de mental, beaucoup de comment ça s'appelle ? De concentration. De concentration, voilà, je cherchais le mot. Merci Julien. Beaucoup de concentration. Du coup, épreuve qui se joue sur 11 boules. 11 boules à tirer. Donc 11 cibles différentes et 37 points à aller chercher. Alors l'objectif de cette épreuve est de taper les objets blancs et de ne pas toucher les objets rouges. Voilà, nous faisons des salves de. Enfin des phases de 4 boules. 4 boules, 4 boules, et ensuite on finira par 3 boules. Allez, le tir au but qui a été réussi par la Marocaine Fatia. Et maintenant, c'est à la Turque, Buket. Et c'est frappé. Buket qui pour l'instant est sur un sans faute. 6, 2, 3, 3 points. Ça me fait rire, c'est vraiment tout le temps la Turque. Elle tire, après elle court pour revenir et après elle check son coach. Mmh. C'est peut-être un rituel. Ah, c'est tout le temps la même chose, mais c'est marrant un peu sur ces championnats du monde de voir un peu les rituels des différentes nations. Tout le monde a un peu ses rituels. Ah, c'est dommage, c'est un petit peu court. C'est comme ça qu'il faut la tirer, hein, cette boule avec la boule creuse. Il faut tomber devant, donc c'était bien tiré, mais un petit peu court. Ah, et Buket Öztürk, même cible, 3 points. Buket qui peut déjà créer un peu l'écart hein, si elle frappe cette cible. Bah oui, là, maintenant les cibles valent plus de points. Ah, c'est manqué malheureusement pour la Turque. Et on passe sur la quatrième cible. Le même nombre de points. Même cible de l'autre côté. On change juste de côté la boule rouge. Allez, on voit les drapeaux marocains dans le chat qui encouragent Fatia. Oh, juste derrière. Ah, et dernière boule pour cette phase de 4 boules avant que les coachs ramènent les boules aux athlètes. Très bien tiré, Buket Öztürk, c'est avec sa boule creuse sur cette cible. On a vu qu'elle a rebondi énormément. Allez, Leyla du coup qui répond par les drapeaux turcs. Et voilà, on peut voir hein, les coachs qui ramènent les boules. C'est le moment un petit peu de donner 2-3 conseils aux athlètes. Et on passe donc sur cette cible que l'on voit à l'écran. 5 points. La boule blanche entre les deux boules rouges. Une des cibles qui ramène le plus de points avec le but à la dernière cible. Donc cible qui... Tout à l'heure, c'est là que Buket a fait
le tournoi du match. C'est ça. Elle a tapé alors que son adversaire manquait et à partir de là, ça a tout changé. Ah, et la Marocaine une nouvelle fois. Ah, pas bien droit. Et Youssouf, les drapeaux turcs également. Merci beaucoup à toutes les personnes qui commentent avec les drapeaux, qui donnent de la force à leur nation. Et la Bouquette, si elle tape cette boule, elle aura une très belle avance, 9 points d'avance. On peut déjà faire un petit trou. On se demande comment elle n'est pas passée là. Oh, la boule creuse. Parce qu'elle tombe qui vraiment. Elle tombe là où il faut tomber, à 42 ans, bien droite. Elle a passé par-dessus. C'est le 6-3-3. C'est dommage. Bien tiré en tout cas. Très très bien tiré. On passe sur le but entre les deux boules rouges. 3 points. Voilà des drapeaux marocains qui arrivent aussi. Ah, pas bien droit pour Fatia. Allez, Bouquet, 3 points, cette cible. Bouquet qui pourrait passer potentiellement à 9, 7 points d'avance sur son adversaire, si elle tape cette cible. Juste derrière. Oh, deux boules très très bien présentées là pour Bouquet, les deux dernières. Malheureusement, ça ne réussit pas. Cible 7, 4 points. Et on passe donc. Boule décalée, septième cible, 4 points à aller chercher. Allez, si Fatia tape celle-là, elle pourra revenir à 6-6, première égalité avec son adversaire. Recoller au score. Ah, pas bien droite. Elle n'est pas du bon côté en tout cas. C'est dommage, elle fait quelques petits pas droits la Fatia. Qu'elle faisait pas, par exemple, sur la demi-finale. Ouais, elle a surtout bien tiré sur les trois dernières slips. Elle a fait les fins, elle a fait le creux à la fin. Donc, bah, on va attendre, mais il faut pas que. Pour Fatia, en tout cas, pour le bouquet, prenne trop d'avance quand même. Avec 4 points possibles sur cette cible. C'est entre les deux. 0 points lorsque l'objet rouge est touché. Cible 8, 4 points. Allez, dernière boule de cette phase de 4 boules. 4 points également. Et c'est frappé pour Fatia. Qui remonte donc à 6-6. Allez, Bouquet au Turc. Il faut qu'elle tape pour reprendre l'avance sur son adversaire. Ah, c'est manqué pour la Turque. Ah, c'est relancé là pour le précision, il n'y a rien de fait là maintenant. 6-6, malheureusement les deux joueuses qui sont pas forcément sur les scores qu'elles ont l'habitude de nous montrer. Sur leur meilleure base, en effet. Après il reste encore 12 points, on peut monter jusqu'à 18 si on frappe toutes les cibles, mais les Bouquet qui a déjà été auteur de plus de 20. Et Fatia également, donc on sait qu'elles en sont capables. Ah, plus de télécommande.
Ça avait bloqué à 2-6, du coup, il met sur le terrain d'à côté. Allez, Fatia, boule à 3 points, boule à sauter 6, du but. 9, on ne le voit pas forcément 3. Sur l'écran, mais il y a un but qui est juste derrière la boule, but rouge, qu'il ne faut pas toucher. Fatia qui peut donc prendre l'avantage pour la première fois sur, sur cette finale de tir précision. Et c'est fait. 3 points pour la Marocaine supplémentaire, ce qui a fait monter à 9-6. Ah, et la Turque. Il faut qu'elle tape pour rester pas loin au score. Ah, c'est manqué. Cible 10, 4 points. Alors, on voit les arbitres qui mettent en place l'avant-dernière cible. Boule blanche à la sautée de la boule rouge. 4 points. Si la Marocaine tape, du coup cette cible ne servira pas pour servira plutôt pour la Turque. Ouais, c'est manqué. Un peu envolé là. Peut-être trop d'envie. Attention. Attention parce que Bouquet maintenant il tire derrière donc. Bouquet, si elle tape celle-là, elle oblige la Marocaine à aller chercher le but pour gagner. Non, pas le choix. De toute façon, dans les deux cas, même si elle rate, si Fatia veut s'assurer la victoire, si Bouquet manque celle-ci, oui, si elle veut gagner, il faut aller le chercher. C'est sûr, c'est sûr. Après, le destin est plus entre tes mains. Oh, c'est manqué pour Bouquet. Et la Fatia qui a but de gagne, but qui vaut 5 points. Si elle le tape, elle est championne du monde. Ah, celle-ci, c'est une des plus lourdes. Surtout sur cette épreuve, on n'a pas de rythme. Le but pour être championne du monde. Allez, but à la quatrième alvéole, comme on a vu. Oh, c'est manqué. Et ça laisse la possibilité à la Turque. Bouquet au sur d'aller chercher une nouvelle médaille de championne du monde, nouvelle médaille d'or. Préparer le terrain devant lui, j'ai pas de gros cailloux. Allez, Bouquet au sur qui, je le rappelle, est championne. Fatia dans l'épreuve. Qui n'a plus son destin entre ses mains. Bouquet, c'est taper gagné ou manquer perdu. Et c'est Fatia, la Marocaine qui est championne du monde. Fatia. La joie des Marocains. Ah, c'est beau à voir. Félicitations, Fatia Targaoui. Ah oui, bravo, bravo, bravo. On n'est pas sur des gros scores. Ah, malheureusement, c'était un mauvais tir de pression. On est sur des mauvais stats, mais voilà, le résultat, c'est 2,5 en fait. C'est ça. Peu importe combien il le gagne. Bah, c'est Fatia, elle va chercher la plus haute des médailles. On en a parlé un peu toute la semaine. J'en ai parlé avec elle. On en a parlé, ouais, tous les joueurs, on en a parlé un petit peu.